22h30, dimanche, un visiteur de la foire du Midi poste cette vidéo sur les réseaux sociaux. Une nacelle de l'attraction Sheikh se détache et glisse jusqu'en bas du manège. Un père et sa fille se retrouvent coincés. Les pompiers doivent leur porter secours. Ces deux personnes étaient bloquées par la barre qu'on met aux personnes qui se rabattent et qui se bloquent pour qu'ils restent solidaires de leur siège pendant l'attraction. Donc le travail des pompiers se soldait par découper la barre de fer pour extraire les deux personnes. Les personnes évidemment extrêmement choquées. Les personnes étaient choquées, mais bon, ça allait. Elles étaient choquées. On les a tout de même emmenées à l'hôpital pour une petite visite de routine, mais elles n'étaient pas blessées. Encore sous le choc, lui aussi, ce matin, le propriétaire de l'attraction rencontre les autorités de la ville. Un accident similaire s'est produit en mars dernier à la foire de Courtrai. Le forain, qui ne souhaite pas d'interview, confirme la révision de l'engin. Ce qui est rassurant, c'est que le système de freinage donc, s'est mis en route, ce qui fait que le métier n'avait pas pris de vitesse et que voilà, les dégâts sont limités. Il est évident que ce métier ne sera pas remis en route tant que tout n'aura pas été méticuleusement vérifié, tant par AIB Vinsot que par les pompiers. Une expertise approfondie du métier doit déterminer les causes exactes du drame. Un coup dur pour tous les forains. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, de très triste, parce que ce métier était complètement en ordre d'exploitation, contrôlé par AIB Vinsot, qui décide de l'ouverture ou de la fermeture d'un métier. C'est quelque chose qu'on ne sait pas gérer. Si une voiture tombe deux fois en panne, à part la re-rentrer au garage, on ne sait rien faire. C'est ce que vont faire maintenant les constructeurs. Ils vont venir analyser ce qui s'est passé et modifier ce qui est à modifier. En attendant, l'attraction reste fermée au public.